c'est dur de reprendre le boulot après ça fait un temps. Moi j'ai vraiment claqué. Et surtout, ici Lego Scrum fait la pomme de bonne humeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode donc sur Ratchet & Clank. Vous pourrez ceci là pour faire un peu de nettoyage sur cette plage. Et oui, je parle avec la voix de Fishy Bookings parce que lui, il parle un peu comme un débiliste. Bon, je vais arrêter un peu faire le con. Bon, allez, c'est parti. C'est l'heure de faire un peu le nettoyage. Et du coup, c'est l'heure donc là de faire le ménage. Hop, on brûle tout le monde. Et hop. Non, c'est bon. Et hop, toi tu dégages. Alors, voyons voir. Ah. Ah oui, c'est vrai, lui il doit nous suivre. Alors, attends. Ok. Et c'est parti. Da da di da di da 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 di da di da da. Dégage, 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 dégage. Ah et merde. Attends une minute. Donc je dois. Ok, on reprend. 12 seconds later. Bon, voilà, c'est bon, j'ai fait un peu de ménage ici. Alors, attends, nous amène ici. Attends, il y avait quoi là-bas? Oh, bah. Attends, c'est moi en train de se lever. Ah, c'est pour nous amener juste ici. Très bien. Alors, attends. Déjà, je reprends quand même un peu de vie, comme si jamais. Allez, hop, toi tu dégages. Alors, attends. Oh, j'ai dû reprendre le point de vie pour l'instant. Alors, voyons voir. Ok, ennemi ici. On passe par là. Hop. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Bon, ben. On est prêt pour le ménage? Voilà. Hop. Alors attends, hop, on vérifie bien partout. Ok, presque. Non, c'est pas ça, c'est faux. Il faut s'accroupir puis ensuite voler. Voilà. Parfait, bon, on peut continuer. Un peu par là. Non, c'est bon. Ok, il reste encore ici. Attends, un peu de coup de clé à mon lac. Toi, tu dégages. Non, je vais ressortir mes bombes parce que là, sinon, je vais finir totalement crevé. Attends, recule un petit peu. Voilà. Et putain, ça va être long. Et tu retapes tout depuis ici. 20 minutes later. Bon, je suis de retour ici et je sens que ça va être putain de chiant de merde. Oui, là c'est carrément pas du chantant de faire. Allez hop, tu brûles, tu brûles, tu brûles et tu brûles. Voilà, un petit point de vie. Putain que c'est relou. Attends, comment on pourrait revenir? Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, toi par contre là, dégage. Voilà, dis donc, ils étaient chiants. Et par contre, on est un peu sur la finale, donc je me demande qu'est-ce qu'il va nous dire. Alors, redressons un peu la caméra, et on y va. Oh putain, une autre plateforme encore. Ah, et j'en ai plus beaucoup. Alors attends, je vais amener quand même quelques petits robots ici. Enfin, s'ils tombent pas, bien sûr. Alors attends. Et c'est parti pour faire le gros ménage encore. Par contre, je sens que ça va être putain de chiant.
Hop, toi tu dégages. Je vais crever à force. Mais putain. Bon, enfin, heureusement j'en prends depuis ici. Mais par contre, putain, je suis... mais carrément... un peu mort de la dèche. Attends, je vais envoyer un peu par ici, voilà. Et je sens que ça va être l'heure de tout péter. Alors doucement. Donc je me dis que j'aurais tout pété s'il y a trop d'ennemis dans la zone. Hein. Et hop. Hop, toi tu dégages. Toi tu dégages. Et on arrive apparemment ici. Et donc du coup voilà. Alors attends. Un peu de boulon. Un peu par là. Et des plateformes qui se construisent. Non. Ok. On y va. Alors, doucement. On y va doucement pour éviter de mourir comme un con. Et t'en as d'autres encore. Non mais moi je fais tout dans les grenades hein. C'est USA hein. Dégage. Pas des dents uniques quelque part. Que je puisse comment recharger un peu. Non mais y'a que dalle, y'a que dalle. Je prends encore un coup, je suis mort hein. Et putain. Ah, ils sont chiants ces trucs hein. Et merde. Et en plus, comme t'as rien du tout, je suis obligé de faire tout comme ça. Et bah merci beaucoup hein. Bon. Je crois bien que je vais aller dans gadget. Non, pas dans gadget. Section pompe. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Bah non, j'ai que ça comme arme. J'ai un truc du haut-parleur. Attends, ici je prenais un peu ça, tiens. Vu que ce sont en fait des petits ennemis, je peux carrément les souffler dedans. Merde. Et alors, attends. Tiens, on va plutôt les prendre. Ils sont un peu marrants. Et hop. Allez, hop. Hop, hop, hop. Ben, on fait carrément que des avalés. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. En fait, je crois bien que je vais plutôt les prendre, les souffler et les tirer comme munitions. Et en plus, là, ça économise un peu des boulons et surtout des munitions. Donc, en gros, je serai pas dans la merde. Allez, hop, hop. Ah oui, c'est vrai. Allez, hop, 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 allez, on les prend. Non, c'est bon. Alors, je vais péter ça. Attends, l'application, l'application. Non, ok. C'est vrai, j'ai ce genre d'arme là, mais donc pourquoi j'utilise pas. Bon, pas grave. Mais bon, au moins. Ça nous a débloqué au moins quelque chose. C'est vrai que ces petits trucs là, en fait, tu peux carrément les prendre, c'est juste des gros, tu peux pas. Allez, hop. Allez, on prend les poissons. Alors, attends. De voir ce qu'il y a là, non. Ça, je peux pas casser. Non. Non, non, non.
Bon allez, on reprend encore une autre potion. Attention, on se dégage. Bon, on y est. Alors, il est où ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et blanc, un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance aux touristes et la direction me fait pas confiance. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors aboule le masque ou je te fais une tête au carré. Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez. Allez voir Bob dans son robot romain. Il connaît bien ses serrures. Ok, donc là, ça m'a carrément interrompu alors que carrément ça pétait de l'autre côté. Ah ok, je me dis là qu'après tu peux revenir en arrière. Parfait. Bon, je sais pas trop ça même, mais bon, au moins c'est bon. Bon, attends, là, je vais profiter de me recharger un petit peu niveau munitions, parce que là, je suis carrément mais à sèche. Et donc, j'aurais carrément mis chier le cul, hein. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Ouais, bah moi, je t'avoue là que je me suis carrément fait carrément bol aussi le cul, hein. Ouais, bon, rechargement. Je crois que ça fait vraiment des 3 ou 4 fois que je recommence, hein. Donc, vraiment, ça va vraiment, mais chier les cacahuètes, hein. Bon, voilà, c'est bon. Bon, allez, on retourne chez notre ami Bob pour enfin donc y aller. Et hop, et voilà. Par contre, je vais utiliser quelque chose. Bon, bah, ça va tellement bien péter là qu'il y a des boulons qui vont rester. Hop, voilà. À moi tout ça. Et du coup, maintenant, allons voir notre cher Bob. Non, sinon après, c'est que de l'eau. Bonjour. Bien, bien. Voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé les lipacs. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hé, hey, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulse opaque. Ouh. Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. Hé, y a encore Fiji Bookings. Mais c'est quoi ce pays là? Y'a que des Fiji Bookings ou quoi? Hé, moi déjà paye. Dac, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars, flambe en neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Bon, enfin, j'ai enfin mon truc, alors attends, voyons voir. Ok, ah ok, je peux faire maintenant un putain de gros saut et faire une surplanage. Et si je fais ça? Ouais, en fait, c'est comme pareil avec les hélices. Bon, on y va, c'est parti. Oh, oh putain, ok. Oh, tu fais ça et boum. Ah bah dis donc, ça doit faire mal au cul, ça. Ah, mon jet! Il va te falloir un aérocasque Blarg pour manœuvrer ce jet à réaction. Oh putain! Malheureusement, le scanner n'en détecte aucun sur cette planète. Ah bah bravo, hein! En gros, j'ai mon jet, mais je peux pas le prendre. Ah, fait chier. Bon, très bien. Et non, c'est select. Ok, très bien. Détruit Blarg. Attends, quoi? Détruit Blarg pour masquer Dodo 2. En gros, on a fait presque tout ça comme chemin, donc on peut donc... Attends une minute. En gros, on a fait ça. On est arrivé, on a fait ça, 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 poum, poum, poum. Voilà, on est arrivé et... Attends une minute, attends, comment tu fais pour Attends une minute. Je reviens, j'ai peut-être ma petite idée. Alors attends. On retourne au vaisseau. Ensuite, on va... Je reviens qu'il faut monter ici. Prends ce tremblant là, et là il y a une sorte ouais de téléporteur. Hop. Et ok, ça nous amène à l'intérieur. Je me disais bien. Très bien. Je vois ça. Attends. Hop. On se dégage. Voilà. Attends une minute. Non, rien. C'est pour en être sûr. Bon.
Oh, je connais ce genre d'ennemi. Allez, hop, là, eux, ils crèvent. Alors, attends, hop, 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 voilà. Je casse un peu ça. Pour faire un peu ménage. Ah, et c'est là, par contre, là. Non, c'est pas celui-là. Ok, bon, je remets donc mon truc. Il se trouve où déjà? Ah, c'est vrai. Voilà. C'est bon. Bon, allez, hop. On prend tout l'eau. Et voilà. Non, rien du tout. Ok, très bien, bon. On peut y aller. Hop, hop, hop. Attends une minute, si on est ici, à quoi ça sert donc de retirer l'eau? Non, non. Non mais il y a sûrement quelque chose à faire, hein. Je suis quand même pas fou. Attends une minute. Attends. Ah, c'est bon, je le vois. Non, j'ai même pas fait gaffe. Bon, allez. Craquage. Alors. Attends. Si je fais ça. Et ceci, seulement ça, ça le bloque. Donc, du coup, faudrait le mettre là. Et celui-là, tu le. Bah non. Attends une minute. Voilà. Facile à faire comme une choucroute. Ah mais attends. Et là comme j'ai craqué ce code, il faut que je remette l'eau pour pouvoir ensuite remonter la surface. Ok, je vois. Bon. Il n'y a plus donc alors qu'à ingurgiter toute l'eau. Et ensuite, on va pouvoir reprendre la nage. Et hop, ingurgitation. Et hop, on peut continuer. Allez hop, plongée. Allez, allez, allez. Voilà. J'aurais dû prendre le chalumeau, c'est les deux fois pas rapide. Mais bon, ça peut aller à l'opéra, Yolo. Bon, toi tu dégages. Allez, hop. Hop, hop, hop. Nope. J'ai glissé. Mais bon, heureusement, c'est que la première étape. On n'est pas tout au bout non plus. Allez, hop. 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 Hop, hop. Hop, hop. À moi ça. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Oula. Attends. Non, 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 sors. Putain, je suis passé à travers la texture, sérieusement. Attends. Ah oui, craquage de code. C'est parti. Et on y va. Alors. Donc, que celui-là. Mais comme celui-là, il le bloque. Bah en fait, c'est plus. Attends. Ah putain, t'as aussi ce côté-là. Presque. Il faut que ça touche les deux côtés seulement. Il n'y a que ce coin
là qui est pour moi le plus possible. Mais comme il y a celui-là qui bloque et celui-là, il faudrait donc plus mettre ça comme ça. Oui, fille. Non, c'est bon, rien du tout. Bah, attends. Non, rien. Bon. Allez! On replonge. Allez, hop, hop, hop. On y va, on évite deux. Voilà. Et on replonge. Et hop, hop, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà, un peu nettoyage qui est fait. Hop. Tac, 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 tac. Hop, on casse, on casse. Ah, un autre craquage encore. Non, craquage. Voilà, c'est parti. Alors, ok. Bon, vraiment, genre, le craquage, c'est carrément tout se joue sur la constitution. Attends, il y a ça qui... Bon, ça, c'est ok, normalement. Si je mets ça... On va plus l'amener par là. Comme ça. Ah bah tiens, on a quelqu'un. Alors, attends. Je pète tout ça là. Non, tout ça là. Eh, hey, bah dis donc, qu'est-ce qu'il fait là, le minou? Je cherche une substance quasiment introuvable et absolument secrète. Du raritanium? Peut-être, oui. Il paraît que les océans de cette planète en sont une source exceptionnelle. Eh ben non, plus maintenant. Et tout ça à cause du déversement de produits nocifs. Vous trouverez du raritanium pour moi. Tu peux toujours rêver. Oh, ben, quel camelot. Ah, ma toute dernière invention, le persuadeur. Je voulais manipuler les esprits avec, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une remise des vendeurs de chez Gadgettron. Eh, hey, mais ça pourrait m'aider, ça. Bon, eh ben, je vous l'échange contre du raritanium. Il me semble qu'il y en a sur la planète Oven. Nos capteurs longue portée ne détectent aucune trace de raritanium. Ok, du raritanium. En gros, une sorte de substance, enfin... Carrément, genre de truc. Mais alors, du raritarium. Il a dit que c'était sur une planète. Mais donc, du coup. Donc là, on a carrément platiné toute cette zone-là. Mais alors, attends. Ah, il a dit quelque chose par ici. Mais comment faire? On va essayer de voir ça. Bon, en tout cas, on a fait. On a fait un bon ménage, tout ça. Bon, par contre, le problème, quoi, c'est que il me faut le casque. Et comme par entre là. J'ai pas le masque qu'il faut. Du coup, je suis dans une certaine mouise. Donc, du coup, je sais pas où trouver. Mais allons donc plutôt maintenant sur cette planète. Ouais, et après, je crois qu'on va plutôt s'arrêter là. Je crois que là, cette zone-là, on a un peu profité de tout fouiller. Et on a bien fait. Ah la vache. Je suis quelqu'un. Ouais. Bon, on va voir, qu'est-ce que c'est cette planète, Gaspard? Gaspard. Ah, ok, donc ça ressemble à ça. Très bien, et attends, petit retour en arrière. On va quand même profiter de voir ce qu'il y a un peu de notre côté. Non. Ok, donc ça ressemble à ça, la planète auquel on est en train de tomber. Alors attends, on va se faire un rechargement. Non, c'est bon. Salut mes gars. Ouais bah attends, hop, recharge. Bien. Recharge à donf. Et recharge à donf. Et voilà.
Et là, je fais option, sauvegarder. Oui, voilà. Et on va pouvoir s'arrêter là. Parfait. Dis donc, ça aurait été un épisode en retour en force. Hein. Mais bon, c'est déjà la fin donc de cet épisode sur Ratchet & Clank. N'oublie pas donc de liker, de commenter et de partager la vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ajouterai une nouvelle vidéo. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube. Bon allez, moi je vous suis là et on se retrouve par contre là pour la semaine prochaine pour continuer et voir un peu les bas-fonds de cette planète. Ok, par contre c'est vachement grand, par contre il y a pas mal de trous, il doit y avoir de la lave partout. Et notre objectif se trouve juste là. Bon, voyons voir ce qu'il nous propose. Bon, allez, tchuss. Je sens qu'on va bien s'aimer ces produits 21, pas vous?